Nous continuons notre petit cheminement spirituel avec notre Dieu, notre Maître. Autrement dit, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous instruit sur les pratiques, je dirais plutôt pratiques aux pratiques de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui ça me l'a dit quand m'a dit les pratiques, pratico-pratiques? C'est un petit peu, c'est comme une tautologie. Mais qui t'a dit exactement ce que cela veut dire? La vie, la vie du chrétien, mérite que l'homme n'en l'y applique. Applique de manière intelligente. Pour qui ça fait me dit applique de manière intelligente? Si nous tendez avec attention, premier mot sur la Bible, nous sommes tendez là. Nous sommes lili dans l'être apôtre Paul écrit pour Romains. Depuis des jours, l'apôtre Paul attire notre attention sur ce qui est bon, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit faire pour éviter le mal ou bien le péché, pour qu'il soit capable bon et faire le bien. Je le dis tantôt et à maintes reprises, la vie mounan l'était construit ou bien créé pour que mounan l'y bon. Dieu a créé l'homme bon. Si capable répéter yon grand intellectuel ou bien philosophe, Jean-Jacques Rousseau. L'homme l'y créé bon. Qu'est-ce qui dérange l'homme dans sa bonté? C'est son milieu ambiant. Côté la vive là. Attitude et habitude que le pral adapter pour que le vive dans le quotidien. Le mal n'a jamais été créé dans l'homme. Ma prendre longtemps, me dit en créole. Mounan pas de jambes créées avec mal dans lit. Parce que l'homme n'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceci dit, bon Dieu créé mon nom bien et bon. Ça qui peut le faire mon nom vin pas bon, c'est péché qui entre dans la ville qui fait le vin pas bon. Péché a détruit bonté dans mon nom. Mais toute vocation mon nom, c'est pour le bon et c'est pour le bien. Dites à tout que ma vie doit être un exemple d'une bonté extraordinaire à la fois pour moi-même, mais aussi pour l'autre. Si, en tant que chrétien, ma vie n'est pas comme ça, je suis foutu ou bien perdu. Alors que si vous êtes dans la droiture, dans le chemin de Dieu, ce n'est pas normal pour que ou pas bon. L'apôtre Paul dit, frère, je sais que le bien n'habite pas en moi. Pourquoi? Il dit aussi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis, la chair est attirée de façon naturelle vers le mal. Tout ça qui attire chair, qui attire corps, qui attire moun, c'est mal. Regardez bien pour elle. Tout désir corporel, c'est le plaisir qui juste fait plaisir à corps. Par exemple, la gourmandise, un exemple simple. L'homme mange en pile, ou bien, ou mange pour contre, ou voulez tout bagaille pour contre. C'est un désordre corporel. C'est juste pour satisfaire corps. Mon pape, j'aime qu'il satisfait tout totalement. Parce que, ou quand arrive ou manger ou manger trop, là regarde ou manger trop, ou arrive au côté, manger à l'étranger, parce qu'on mal mange elle. C'est aussi valable aussi pour la vie. Tout autant qu'on pas créé une condition pour que dans bien-être on vive là. Moun ki bon koto là, li retrouver la donne. La difficile pour bon pour bien-être ou li profitable. Et puisque l'homme n'a l'y appelé pour le bien, maintenant l'homme n'a doit travailler pour que l'y passer au-delà de faiblesse quoi, pour que le satisfaire bien-être ça qui sortit dans bon Dieu, pas sortit dans l'IA. Puisque on est des hommes, des femmes
voué au péché, la grâce, c'est plus gros bagage que bon Dieu fait pour nous qui sauve ce temps bas esclavage péché. Grâce à que nous recevons le jour de notre baptême dans la mort et la résurrection du Fils de Dieu, ça lui fait de nous une créature extraordinaire devant Dieu, pour bon Dieu. Et ceci dit, l'apôtre Paul a plaigné pour le dire que je sais que le bien n'est pas en moi, en être, dans l'être de chair que m'y est. Moi, qu'on est bien, il n'y a pas de moins. En effet, ce qui est ma pensée, ma portée, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas l'accomplir. C'est comme si mon âme a toujours une tendance pour l'envie faire bien. Le désir du bien habite l'homme. Mais l'accomplir, c'est comme tu as expliqué. Je vais vous donner un exemple tout petit, simple pour nous comprendre. Il y a un monde qui réalisait que c'est pratico-pratique. Il y a un monde qui réalisait que l'a grossi. Peut-être. On a dit, ah, après un poids qui est exagéré, il faut que je fasse sport. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de moyens pour faire sport. Elle fait sport, elle a payé dès qu'elle est école. Et prend décision pour le faire sport, elle n'a pas besoin de paquet de bagaille. Même garantie ou. Fait commencer, fait prendre décision pour le faire. Hein? Il y a toute contrainte. Il y a paresse, il y a fatigue, il y a levé bonheur. Il n'y a pas qu'à lever bonheur. Ou bien elle finit ce travail si c'est un après-midi. Ah, je suis fatigué. Il y a tout prétexte qui est lié avec que ou pas qu'elle fait sport, juste tout simplement parce que vous vous sentez confortable. Alors que, autant que vous grossissez, c'est autant que vous doit déranger le système corporel. Mais maintenant, il y a juste tout simplement pas qu'à sortir dans le confort pour agir sur ça. Ah, c'est ça, c'était une parenthèse pour juste expliquer mon bagage. Mais pourtant, on prend l'autre exemple qui est simple. Ou aller car docteur, ou réaliser que docteur Djou et moun sa ou fait tension. Maintenant, moun qui souffre tension, gen une précaution pour prendre. Précaution, c'est qui ça? Ou gen doit pas qu'à manger trop sel. Mais le docteur Djou pas manger trop sel, et puis gen l'autre pratique pour prendre, pour faire, pour éviter que tension li monte dans une dimension que tel dérange. Et me garantis que y a des moun, tout yel rachel, c'est manger du sel là pour le manger. Ou bien mon nan yo dit li souffri, li fait maladie sucre. Docteur dit éviter trop sucre, manger moins farine, manger moins bagaille kap ba ou kap nourri sucre là nan san. Mais bouche li pi bon konn ki ça? Nan tout ça yo interdit de manger. C'est pas parce que li pa gen désir là. Mais c'est parce que le corps lui sent-il attiré par ça qui fait le bien. Pourtant, ça le prétend qui fait le bien, ce n'est pas le bon, c'est le mal. Est-ce que Père l'a bien expliqué pour nous comprendre? Mais c'est aussi valable aussi pour la vie en Dieu. Quand on a cherché mon Dieu, le plus souvent, ça nous fait qui plus facile, c'est ça qui peut entrer dans le plan bon Dieu. Et c'est ça qui fait nous mal chaque jour. Le mal détruit l'homme que vous êtes. Malal détruit son yé comme moun. Il détruit sa bon Dieu créé dans vous qui c'est bonté. Alors s'il y a quelque chose que nous devons lutter pour, c'est bataille pour que chaque jour nous fait bien. C'est ça qui fait qu'à ce moment-là, il invite que l'état important pour que nous fait violence. L'homme dit violence sous nous, pas sous moun. Tant que moun a fait le jodi, par exemple, un moun levé là pour le faire tête li bien. Il choisit de kidnapper un malheureux, un malheureuse pareil. Elle choisit de kidnapper, elle fait exigence pour le bal toute sale. Est-ce que dans la tête, Mounsa, elle pense là bien? Non. Jour mourir ou pas bien. Même si vous n'avez pas de conscience, vous avez quand même conscience ou après vous. Vous avez quand même une chita ou dit tout. Conscience, vous avez profité bien-être ou vivre aujourd'hui. Parce que vous avez toujours mis dans la tête pas pour vous ou mal fait. Le bien mal acquis, hein? Il n'est pas toujours une bénédiction. Son malédiction est pour vous, pour petit toi, pour famou. Il y a des bagages à faire sur terre, ou payer de génération en génération. Cherchez à faire le bien. Cherchez à agir en toute bonté.
C'est pas parce que vous mettez en tête que tel monde est formal, ou bien société est formal, monde formal, ou même pour faire monde mal. C'est pas parce que monde ou mettez en tête que société a détruit ou pour une raison ou pour l'autre, ou obligé de choisir pour faire monde souffrir. C'est comme si on est ou bien deux trois monde qui vivent ensemble, dans un groupe là, qui ont qui peut-être font bagarre qui pas fait tout groupe là plaisir ou bien un monde plaisir deux trois monde plaisir. Tout le monde dans le groupe là choisi, il commence à faire l'autre mal. Pour qui ça? Je me dis ça chaque jour. Pas occuper le monde qui fait mal, qui fait mal à vous. Tout le monde qui fait mal, quittez-le pour un plaisir dans le mal. Comme je le dis tantôt et à maître prise, il y a toujours un Dieu pour les malheureux. Le monde qui fait souffrir, c'est parce qu'il ne comprend pas. Au pied de la croix, Jésus dit, Père, pardonnez-vous parce que vous ne connaissez pas faire. Et moun kap agi mal là, la vie a permettre un jour, bon Dieu mettez le campé devant, moun qui fait mal là, pour même, pas pour faire le mal, mais pour faire le bien. Toujours mettez ça dans tête tout, moun qui fait plus mal dans la vie, agit pour que vous-même vous fassiez plus bien. Moun nan kidnappé, la force souffrir, li déposséder de tout ça ou gagne, quittez-le. La prière pour bon Dieu, changer qu'elle. La prière pour lui, parce que le mal, il n'a pas le droit de porter la victoire sous bien. Et bien, il a toujours porté la victoire sous mal. Alors l'apôtre Paul attire l'attention que le désir du bien, s'il n'a pas agi en toute bonté, l'a difficile, même s'il gagne dans la vie pour agir, pour faire. Accepter, toujours lutter pour faire bien, parce que mal a envie de prendre place bien dans la vie. Ou même qui c'est chrétien, je dis, ou même qui a cherché bon Dieu. Mandez bon Dieu en pile sagesse pour l'aider ou pour agir en toute bonté. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas faire. Si je fais le mal que je voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché. Ne vous laissez pas esclave du péché. Pas quitter péché à dominer la vie ou pas quitter péché à fort vine défigurer, pas quitter péché à fort perdu mon sens ou pas quitter péché à fort perdu mon unité ou tant comme des cadil ou vine par mon encore ou vine t'es comme si bête tant comme pas bandit mais criminel sans cœur sans conscience lors qu'on ça ou détruit soyez ou détruit nature comme moun. Moun nan se remè que lié. Moun nan se bien-être que lié. Moun nan se bonté que lié. Parce que le sorti nan bon Dieu. Yon moun ki konsa kap fait mal. Ou sous domination mal. Ou pas petit bon Dieu. Changez que nous. Changez comportement. Changez attitude. Changez habitude yo. Faire remè donné nan cœur. Hey, pas dit être que. Ou ap chercher. C'est comme si by tête ou une existence ou bien une valeur. Mais écoutez, ce n'est pas normal ou by tête ou valeur. Jésus dit dans l'évangile là, soyez intelligents. Évitez d'être des hypocrites. C'est comme si on fait semblant de ne pas comprendre. Quand on est en présence des signes des temps, quand on est en présence ça qui est bon, hein, quand on est en présence bonté, bon Dieu, apprendre qu'on est lorsque bon Dieu l'a pas agi dans mi temps nous. On nous fait effort pour nous interpréter réalité na vivio à la manière de réalité la vie nous chaque jour. Mandé bon Dieu en pile sagesse. Nous moyo nous même qui c'est chrétien. Nous gagnons obligation qui fait nous pour que nous prenions l'autre direction, pour nous prenions l'autre route. C'est à nous-mêmes qu'elle confiait que le désir de sortir notre réalité, notre pays dans la situation liée là, je dis. À nous penser pour agir en toute bonté et bonté. À demander à bon Dieu pour l'aider, pour qu'on prenne conscience que c'est bien seulement qu'on sortit dans sa nière. Et bien, ne pas marcher sans remède. Il faut qu'on remède un cœur pour faire bien pour le monde. Il faut qu'on remède un cœur pour garder devant la situation du monde. Situation mon a vivre comme il a vivre pour agir bien avec lui. Le monde qui vient passer devant porte la caillou. Il sent-il peut-être il grand goulement d'eau au pain.
Sougel, pas refuser Balil. Parce que pendant offrir le morceau pain, bon Dieu t'a gétant préparé 10 pains qui étaient pour l'offrir Balil. Ou mon a souffri, le malade, il a grand goût, il a misère. Loge mes Balil, aider le sorti. Pendant aider le sorti, bon Dieu a veillé sur la protéger, ou la protéger petit tout. Ou on a kidnappé au monde. Sou est ça le fait pas bon et on connaît le pas bon. Parlez avec elle, aidez le prendre conscience. Malheureusement, situation grave. Malheureusement, moun journée jeudi a perdu sens bien. Une bataille pour que bon Dieu capable l'ouvrir yeux nous, l'ouvrir cœur nous pour que petite nous yo cap grandir demain si Dieu veut. Yo kon l'autre espérance. Yo l'autre avenir pour nous quitter pour yo. Il n'est pas normal pour ces normal et normal seulement n'a grandi et ces mal nous fait chaque jour. Ma prière bon Dieu pour que bon Dieu parle dans le cœur dirigeant nous pour y avoir un bon cœur. Par contre si oui ça capable arriver pour y avoir un bon cœur. Mais ça qu'arrive oui. Mais si bon Dieu fait nous grâce, y prend conscience, c'est sûr y a aidé moun sorti dans situation péché nous hier jeudi. C'est pas mal là pour gagner victoire chaque jour sur nous. Mais c'est bien, dans tout ça lié comme bien. Je souhaite, bon Dieu, aider les chrétiens, je dis, pour que chaque jour, nous prenions responsabilité. Et surtout, je dis à ces 28, 20, 27 octobre, dans deux jours encore, l'église là qui est rassemblée depuis plus que trois semaines, pour réfléchir sur qui j'en pour mon vivre. Dans les mains, dans la tête ensemble, dans le travail ensemble, dans la lutte ensemble, pour nous construire une autre société. Je demande à bon Dieu pour que il aide l'Église là, grâce à l'Esprit. Sortir avec des nouveautés, côté monde capable de retrouver que yo c'est frère tout bon vrai, yo c'est sœur, capable d'aider les gens, yo agit. Yo na l'autre et yo pour l'autre. La patience, surtout, barre les tolérances, mais l'arrivée comprendre mon nom, c'est plus facile pour vivre avec lui. Et l'arrivée accepter mon nom tout, la facile pour que bêtises liyo nous corriger ensemble. Au lieu que c'est mal la dominer, laisse ça n'a aidé mon nom pour l'agir en toute bonté devant bon Dieu, pour lui-même et pour l'autre. C'est mieux, frère mieux, on m'a dit bon Dieu, faire ça. Pour que lui aide nous, pour bien capable de prendre corps dans la vie nous, dans la famille nous, dans la petite nous, et pour qu'il part dans le pays d'Haïti. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.